Je peux? Bien sûr, Caillou. Et bonjour. On a besoin de combien de hot-dogs, Caillou? 1, 2, 3, 4. Eh bien, 4. Pas de problème, ça arrive tout de suite. D'accord. Vous voulez des sauces? Oh, je peux le faire, s'il vous plaît? Sûr, petit gars. Et voilà. Moutarde pour moi, s'il te plaît, Caillou. Pour moi, ketchup. Oh, ketchup! D'accord. Moutarde pour maman. Ketchup pour Mousseline. Je veux ketchup et moutarde. Bien, Caillou. Tu fais bien ton travail. Merci. Oh! Oups. Attention, Caillou. Pardon, papa, c'était la sauce piquante. Oh, Caillou, il faut faire attention. Ça, c'est une saucisse chaude. Tu as raison, Caillou. Ça lui ressemble. Papa, papa! Qu'y a-t-il, Caillou? Il est juste comme celui de la parade. Je peux l'avoir, s'il te plaît? D'accord. Tu dois faire attention. Touché. À toi, Mousseline. Touché. Attention. Oh non.
apporter à maman. Maman, papa, hein? Oh, ce bébé oiseau a allé le blesser. Oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile. Il faut la lui retirer. Voilà, ça va aller. Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà l'oiseau. Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Bonjour l'oiseau. Oh, j'ai très faim. Et tu dois avoir faim aussi. Attends ici, je t'apporte un petit déjeuner. Caillou, qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa. Oh, Caillou, les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ces graines. Eh bien voilà, papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Ça vient mieux. Attention, Mousseline. L'oiseau est très petit, sois très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau! Tu vois, maman, je dois choisir le bon pinceau pour que l'œuf ne casse pas. Encore. Tu vois, ce pinceau est trop dur, mais celui-ci est bien doux. Très bien, Caillou. Tu aimes peindre les œufs, maman? Oui, Caillou. Mais tu sais ce que j'aime encore mieux? Chercher des œufs. Chercher les œufs au magasin? Non, non, dans le jardin. Pourquoi chercher les œufs dans le jardin? On n'a pas de poule chez nous.
n'est-ce pas? Non. Les œufs dont je parle ne viennent pas d'oiseaux. Ils sont plus sucrés que les autres œufs et très délicieux. Ces œufs sont faits de chocolat. Et encore mieux, ils sont apportés par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques? Oui, il va gambader dans le jardin et cacher des œufs de Pâques pour que tu les trouves. Le lapin de Pâques va cacher des œufs en chocolat dans notre jardin? Oui, Caillou. Allez, maintenant, Dodo, repose-toi bien pour être prêt à chercher les œufs demain. Mais comment le lapin vient ici? Où c'est qu'il garde les œufs? Il a pas mal aux pattes de porter des œufs? Il est temps de dormir maintenant, Caillou. Ferme les yeux et quand tu te réveilles, tu peux aller chercher les œufs. Le lapin ne viendra pas si tu es éveillé. D'œil fera pas de mal. Oh! Le lapin de Pâques! Gilbert, on doit trouver le lapin de Pâques. Où est-il passé? Oh, wow! Des œufs en chocolat! Le lapin doit être derrière le pot de fleurs. On est à la recherche des œufs de Pâques et du lapin de Pâques. Jamais le lapin de Pâques. Il est trop rapide et très fort à se cacher. Il est coincé maintenant. Caillou, que fais-tu donc dehors à cette heure de la nuit? Caillou, tu devrais être couché. Il est vraiment tard et tu ne devrais pas être seul dehors. Au revoir, lapin de Pâques. À l'année prochaine. Je suis trop content d'aller au musée de dinosaures. Écoutez tous, pendant la visite du musée, restez avec votre copain de voyage pour ne pas vous perdre. Hé, Clémentine, veux-tu être ma copine de musée? Ouais, Caillou, j'attends ma mère ici avant de rentrer. Oh.
mère est ici. Ah, je veux dire mon autre maman. Tu dois être Caillou. Ah. Je suis Jasmine, la mère de Clémentine. Je travaille ici au musée comme un des experts de dinosaures. Clémentine, tu as deux mamans? Ben oui. Nous élevons Clémentine toutes les deux et nous l'aimons énormément. Oh, mais vous travaillez avec des dinosaures? Oui. Oh, on dit qu'on est des dinosaures. Et vous tous, êtes-vous prêts? Oui. Ceci est un squelette de dinosaure. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel dinosaure il appartient? Un tyrannosaure? Un brontosaure? Un stégosaure? Tyrannosaure? C'est ça, Caillou. Très bien, Caillou. Hé, Rexy, enchanté. Faut pas toucher Caillou. Pourquoi? Les os de dinosaures ont des millions d'années, alors ils cassent très facilement. Millions? Il y a très très longtemps. Oh! Donc, ces os sont plus vieux que papa? Oh, Caillou, oui! Même plus vieux que papa. Voyez, c'est ainsi que les gens de caverne s'habillaient il y a très longtemps. Ils ne portaient ni chemise, ni chaussures. Mais ils portaient des peaux d'animaux et des herbes. Waouh! Caillou! Caillou, viens voir ça ici! Ceci est le moulage d'une des plus grandes empreintes de dinosaures jamais trouvées. Oh! Ceux qui ont fait cette empreinte étaient énormes. On est prêt à partir. Jasmine, est-ce que les dinosaures reprennent vie comme la nuit? Non, Caillou. Tu as des idées très créatives, mais ce n'est pas réel. Oh, Caillou, elle a la taille d'un dinosaure, son imagination. Drôle mode activé. Wow.
On a besoin de bien plus de jetons pour le robot. Oh, c'est quoi ce jeu? Ceci est un nouveau jeu en réalité virtuelle. Ça veut dire que tu ne regardes pas seulement l'écran. Tu vas dedans le jeu. Dedans? Papa, il faut essayer ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Eh bien, Caillou, ce jeu a lieu dans un futur distant. Oui. C'est comment, Caillou? C'est incroyable! Hé, c'est le robot de l'étagère des prix! Hé, robot! Ici! Bienvenue, voyageurs! Pour compléter le niveau, il faut atteindre la ligne d'arrivée au plus vite. Bonne chance. Mais où est le... Prépare-toi, Caillou. Tu vas tellement vite! C'était quoi? Wow, tu portes des bottes fusées! C'était formidable, Caillou. Mais certainement. Et comme nouveau champion, voici ton prix. Mission accomplie. Shérif Caillou, allez plus vite! Léo Lucky dévalise un train! Une attaque de notre train? Pas sous notre garde! Nous finirons ça plus tard, adjoint Teddy!
Pourquoi voler dans un train quand je peux voler un train tout entier? C'est trop facile. Que Léo veut-il voler dans le train? Le train est plein de... Le train est plein d'or. T'inquiète pas, nous l'arrêterons. Là, je vais monter à l'arrière du train. Oh, le shérif. Je m'occupe de Léo. C'est pas le shérif. Avez-vous un billet pour ce train? Salut! J'espère que vous savez arrêter le train. Descendre du train. Comment? Comme je suis venue ici. Eh bien, si je ne peux pas avoir l'or, personne ne l'aura. Besoin d'aide pour descendre, shérif? Je vais bientôt sortir, shérif. Tu verras. Bien, si tu sors, l'adjoint Clémentine et moi, nous serons prêtes à t'arrêter. Et l'adjoint Teddy aussi. Juste là-bas, Caillou, à côté des autres. Merci de me construire un fort, papa. Ça va être le meilleur de tout. C'est bon, Caillou. Tu sais, mon père m'a construit un fort quand j'avais ton âge aussi. Très bien. Boîte à outils, clous, table de travail, je pense qu'on a tout. Où est-ce qu'on devrait le construire, Caillou? Trop de boue ici. Trop de bestioles dans ce buisson. Et trop sombre là-bas.
haut. Et ici? L'endroit est parfait. Tiens, Caillou, prends-en le bout. Ok, bon, tire le verre là jusque quand je dis stop. Oui, chef, papa chef. Et stop. Oh. Wow. Tiens, Caillou. Sécurité d'abord. Faudra faire très attention avec les outils aujourd'hui. D'accord, papa. T'inquiète pas, Caillou. Le fort sera debout en un rien de temps. Excellent travail d'équipe, Caillou. Fort Caillou! J'adore! Merci, papa. Maman, je peux dormir dans le fort cette nuit? Pas tout seul. Mais peut-être papa va camper avec toi. Oh, on peut... D'accord, Caillou. On est tous prêts ici, Caillou. Voulez-vous autre chose? À vous. Non, merci, papa. À vous. Très bien, Caillou. Bonne nuit. À vous. Bonne nuit. Déjà joué à Creuse et Bâti 2? Pas encore. Il y en a un nouveau? C'est quoi? Ouais, dans celui-ci, vous déterrez des os de dinosaures. Ensuite, vous les assemblez pour faire une squelette de dinosaure. C'est génial! Ma mère m'amène l'acheter aujourd'hui avec mon argent de poche. J'ai vraiment hâte. La mienne aussi. On y va ensemble? Caillou? Je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Eh bien, dépêche-toi, Caillou, ou il n'y en aura plus. Maman, papa, j'ai besoin d'argent pour acheter un jeu. Eh bien, Caillou, tu sais que l'argent ne tombe pas du ciel. Faudra gagner ton argent de poche. Que veux-tu dire? Eh bien, on te donnera une allocation pour acheter ce que tu veux.
en échange de ton aide à faire certaines tâches. C'est ce qui s'appelle gagner. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Voyons voir. Allons-y. Ok, Caillou, voyons combien tu as gagné cette semaine. Et ça c'est vraiment? Oui, Caillou, bravo! Nous sommes très fiers de ton travail. Oui! Creuse et bâti! Allons-y, allons-y! Vite, maman, ou il n'y en aura plus. D'accord, d'accord. Là, on a eu le dernier. Achète-le vite alors, Caillou. Aujourd'hui, nous allons faire un test surprise. Bon, vous savez comment elle a travaillé dur sur nos nombres? Bien, c'est juste un petit test pour voir ce que vous avez appris et voir où vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, je vais vous lire les questions et vous allez écrire les réponses sur vos feuilles. Vous pouvez retourner votre feuille maintenant. Première question. Combien de pommes voyez-vous sur la page? 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai combien de pommes si j'en ajoute 2 de plus? 1. Si cela vous trouble, dessinez les pommes ajoutées.
5, 6. Question 3. Si 5 pommes sont enlevées, combien en reste-t-il? Ensuite, quelques questions sur les formes. Alors, combien de côtés a un carré? Oh non, pas les formes! Psst. Oh! Ensuite, pouvez-vous dessiner un triangle? Caillou, tu regardais la copie de Léo? Non, Madame Martin, je vous promets. Je te vois après la classe, Caillou. Bon travail, vous tous! Alors, allez en récréation. Donnez-moi tous vos copies en sortant. Oh, bats-toi, Caillou. Assois-toi, s'il te plaît. Eh bien, Caillou, tu comprends pourquoi tu as échoué au test? C'est parce que tu as triché, Caillou. C'est pas bien de tricher, n'est-ce pas? Je n'ai pas triché, Madame Martin. Alors pourquoi regardais-tu la copie de Léo? Je pensais pas. Je t'ai... Ah, tu sais, Caillou, c'est très bien d'avouer ses erreurs. On en fait tous des fois. L'important, c'est de l'admettre. Et ainsi, on s'améliore. Je suis pas bon avec les formes. Et j'avais peur d'avoir tout faux. Alors, j'ai triché. Je suis désolée. Merci de dire la vérité, Caillou. Il ne faut jamais tricher. Demande toujours de l'aide si tu en as besoin. Si les formes sont difficiles, je peux toujours t'aider en classe, d'accord? Ça te va? Oui, ça serait bien. Merci, Madame Martin. Bon, eh bien, la récré n'est pas finie. Va donc dehors jouer. Oh, et Caillou, on pourrait revoir le test ensemble plus tard, mais sans tricher. Oui, Madame Martin. Regarde ça, Caillou. Pourquoi une fenêtre si petite, papa? C'est une fenêtre pour un archer. D'ici, il y a la place de tirer une flèche. Mais de dehors, c'est très difficile de faire entrer une flèche. L'archer est en sécurité. Oh! Thank you.
Et Caillou le Grand, que faites-vous? J'ai travaillé sur des projets de magie pour le roi. Quel genre de projet? Eh bien... le roi m'a demandé d'assurer qu'il y a beaucoup à manger pour tous les gens du royaume. Regarde ça! Wow, Caillou! C'était vrai! Il faut que je travaille un peu plus sur ce sort. Oh oh! Nous sommes attaqués! Quelque chose là. Attends, Léo. Que se passe-t-il ici? Caillou? Caillou? Allô? Hein? Désolé, papa. Tu étais parti dans ton monde, là. J'étais un sorcier, je tourne un sort. Il y avait un géant et les spaghettis magiques commençaient à pourchasser les... Ne fais pas ça, Caillou. Tu vas le casser. Allons, il est temps d'explorer. Allons-y. Oh. Ah!
C'est vraiment haut. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y a rien à craindre. Château. Presque, Mousseline. C'est le palais de Buckingham, où vit la reine. Un vrai palais? Oh, on y va, maman? On peut? Bien sûr! Ah! Caillou, par ici! Voici la salle du trône de Sa Majesté. Ceux-ci ont servi, bien sûr, à la cérémonie du couronnement de la reine. C'est quoi le couronnement, cérémonie? Le couronnement, c'est quand un membre de la famille royale devient roi ou reine. Génial! Suivez-moi, ici se trouve la boutique de souvenirs. Tu t'appelles? Monty. Monty. Salut, Monty. Je suis Caillou. Il semble que Monty t'aime plutôt bien. Il est si mignon. Oh oui, et plein d'énergie. Dis-moi, comment es-tu arrivé ici? Oh non! J'étais dans le tour avec ma famille, mais ils ont dû partir sans moi. Oh, ne t'inquiète pas, Caillou. C'est tellement grand ici, c'est facile de se perdre. Le tour est à la boutique, juste là. Si tu vas vite, tu les trouveras. Youhou! Merci! Salut, Monty! Ah, te voilà, Caillou! J'allais partir te chercher. Désolée, maman. Je me suis perdue. Mais une gentille dame et son chien m'ont aidée. Elle a l'air très gentille. Oh! Ça ressemble à Monty le chien. On le prend? Bien sûr, Caillou. Hé! C'est la dame qui m'a aidée. Oh! Voilà. Pas tout à fait, Caillou. Monsieur Henkel t'a donné 5 euros pour 5 boîtes de biscuits. Tu en as seulement donné 3. Ouais, ce n'est pas juste, Caillou. Oh, désolée. Vous en avez 3, et voici 4 et 5. Merci beaucoup, Caillou et Clémentine. Merci, Monsieur Henkel. Bonne journée. Wow, on a déjà vendu 10 boîtes de biscuits aujourd'hui. On pourrait peut-être en vendre 20. Ou 30 même. Ou 50. Ou 100. Arrêtons le racisme. Arrêtons le racisme. Arrêtons le racisme. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi ils crient tous? Tout va bien, vous deux. Il n'y a rien pour vous inquiéter. Ces gens manifestent. Manifestent? Pourquoi? Les gens manifestent quand ils sont mécontents à propos de quelque chose d'important. Ils veulent le changer et ils défilent avec des bannières pour faire savoir aux dirigeants ce qu'ils pensent. Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Pourquoi crient-ils si fort? Ouais! Pourquoi sont-ils en colère?
Eh bien, ils veulent être entendus de tous. C'est une manifestation contre le racisme. C'est quoi le racisme? Oh, maman m'a dit. Le racisme, c'est quand les gens sont méchants envers les autres pour leur couleur de peau. Hein, maman? C'est ça, Clémentine. Tu vois, il était un temps où vous n'auriez pas pu jouer ensemble à cause de la couleur de votre peau. Vraiment? Oui. Les gens à la peau plus foncée comme moi et Clémentine n'avaient pas le droit de faire les mêmes choses que les gens à la peau claire comme toi, Caillou. Vous deux n'auriez pas pu nager ensemble ou prendre le bus ensemble ou même manger au restaurant ensemble. Mais c'est injuste! Beaucoup de gens étaient d'accord, Caillou. Alors ils ont manifesté, comme ici. Et les choses ont changé pour le mieux. Maintenant, toi et Clémentine pouvez jouer ensemble et pouvez faire les mêmes choses. Oh! Manifester, c'est une bonne chose! Bien sûr, Clémentine. Parfois, des gens sont encore méchants avec des gens à la peau foncée, comme nous. Ici, tous ces gens veulent améliorer les choses. Et quand beaucoup de gens différents se réunissent comme ça, ils peuvent changer le monde. Eau gratuite. Oh! Je suis désolée. C'est pas grave. Oh, salut Caillou. Salut Clémentine. Salut Geoffrey. Que fais-tu avec toute cette eau? Moi et mes parents l'offrant aux personnes de la manif qui en soif. C'est très gentil. Et vous deux, on retourne à la vente de biscuits? Certaines personnes qui marchent ont l'air d'avoir assez faim. On peut leur donner des biscuits? Oh! On peut? On peut? Je pense que c'est une excellente idée. On gardera quelques boîtes. Oh! Oh! Oh gratuite!